est notre envoyé spécial sur place. Il est en ligne avec nous. Mehdi, vous êtes à Shanzhou, dans le nord de la République démocratique du Congo. C'était l'un des derniers bastions des rebelles du M23. Quelle est l'ambiance sur place? Écoutez, c'est un énorme soulagement pour les milliers de soldats congolais qui ont participé à ces 11 jours d'offensive inédite contre le M23. La fin des combats a été sonnée à partir d'une heure du matin. Les derniers rebelles du M23, à peu près 150, ont pris la fuite en direction de l'Ouganda. Et actuellement, les militaires congolais ont repris en fait les positions de Tchanzu et Runyoni. Dans leur débâcle, les rebelles du M23 ont laissé 42 véhicules calcinés, plusieurs positions d'artillerie qui ont été complètement brûlées. Une centaine de rebelles du M23 auraient été capturés ou se seraient rendus. C'est un soulagement extraordinaire. Chacun essaie de récupérer un peu parfois des objets insolites. Un soldat paradait tout à l'heure avec sa mitraille et une guitare électrique récupérée au M23. Mais aujourd'hui, le colonel Amouli, le porte-parole de l'armée congolaise, déclarait il y a quelques instants que la guerre contre le M23 est terminée, mais que la guerre contre les autres groupes armés va maintenant commencer. Alors, Mehdi, d'un mot, est-ce qu'on peut dire que les négociations de paix de Kampala en Ouganda vont repartir sur une base purement politique ? Écoutez, c'est ce que souhaite en tout cas la communauté internationale. Désormais, il n'y a plus du tout d'offensive, il y a véritablement un cessez-le-feu. Donc il pourrait y avoir maintenant négociation réelle entre ce qui reste de la rébellion et Kinshasa. Reste à savoir si les derniers rebelles vont accepter les conditions, puisque vous le savez, depuis plusieurs mois, ce qui pose problème, c'est l'amnistie, mais aussi le cantonnement des ex-rebelles et leur désarmement. Mais aujourd'hui, on ne voit pas comment le M23, qui est en position affaiblie, qui est complètement atterré, pourrait refuser les conditions qui sont dans le protocole d'accord. Mehdi Medem, en direct de Shanzhou, en République démocratique du Congo. Merci.